Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce jeudi 15 septembre, c'est Jérémy Delsol, j'espère que tout le monde va bien pour votre matinale. Ici bien sûr à Admirals, il est 8h30, on va démarrer sur les graphiques dans un instant comme d'habitude et pour démarrer justement on regarde le calendrier économique. On va voir ce qui nous attend en termes de publication déjà courant de notre séance. Alors cette nuit côté australien il y a eu les taux de chômage de publié hein, pour ceux qui sont sur l'Aussie, sur le dollar canadien bien sûr. Australien, pardon. On va regarder quand même ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr. On a des publications courant de la matinée, mais elles ne sont pas extraordinaires. C'est la balance commerciale du côté de la zone euro. On va avoir, sinon, en début d'après-midi, du côté, pardon, du dollar canadien, les mises en chantier. On va aussi avoir des données statistiques américaines en ce qui concerne les revendications chômage initial, l'indice Empire State Manufacturier. On va aussi avoir ici, voilà, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. On va avoir plusieurs petites choses déjà à 14h30. Mais le plus intéressant d'entre elles, sur le calendrier, pardon, économique, je vais y arriver, ce seront les ventes au détail mensuelles et annuelles ici. Bon, prix ensuite à l'importation et à l'exportation également. Donc en fait, vous voyez pas mal de petites statistiques, dont notamment les ventes au détail, attendues encore une fois et toujours, j'ai envie de dire quasiment, hein, ces grosses publications sont attendues très souvent à 14h30. Donc aujourd'hui, côté américain, 14h30, attention quand même à certains mouvements possibles et notamment certainement de la volatilité. 15h15 juste après production industrielle annuelle mensuelle toujours côté américain et ça continue en séance US à partir de 16h avec ici tout simplement les stocks des entreprises, confiance des consommateurs du côté de l'Espagne à 17h et sinon rien d'autre courant de cette fin de journée. Donc voilà, hein, clairement le rendez-vous par rapport au mouvement et à la volatilité possible sur du trading autour des news c'est 14h30. Sinon bien sûr, il y a toujours ce jeu des séances habituelles de trading. Côté inflation, ici on va avoir un webinaire dans 5 jours 11h26 minutes, comment investir en période de forte inflation, c'est ouvert à tous donc n'hésitez pas, je vous partage le lien ici. On sera live mardi soir, mardi prochain du coup de 20h à 21h. Côté actualité, cette semaine l'idée trading c'est autour de Google, l'action Google. Je vous partage le lien ici de la page Actu sur le site Admiral où vous retrouvez à la fois des articles fondamentaux sur l'actualité et aussi bien sûr des articles ici idée trading de la semaine. On a aussi d'autres articles sur du trading pour débutants, donc pas mal de choses sur cette page. Donc je vous la partage chaque matin puisqu'il y a des choses toujours intéressantes à regarder. Oups, excusez-moi. On va voilà remettre les graphes ici en place et on va démarrer justement sur les graphiques tout de suite. Allez, je vais venir sur le chat vous dire bonjour juste avant. Marc qui nous dit bonjour Jérémy. Du coup, et bonjour à tous, je pense que tu voulais nous dire. Voilà, bon trade à tous, merci, bienvenue à toi. Marc, du coup, j'espère que tu vas bien. Philippe également, bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toi Philippe, Shérif, Jean-Luc, Freddy, pardon, Freddy, Fred, Derek qui nous dit aussi bonjour. 13e pouce, bienvenue à toi Fred, j'espère que tu vas bien. Didier également qui est avec nous, merci d'être avec nous, j'espère que tu vas bien. Boursicoteur qui est là également, TikTok, Elias, Charlie, Yann, bienvenue à tout le monde dans les starting blocks, Yann. J'espère qu'on va avoir une belle séance, c'est clair. On va voir, il y a du coup des marchés qui n'ont vraiment pas beaucoup évolué par rapport aux zones qu'on a étudiées ensemble déjà hier. Régis qui nous disait hello, hello, bienvenue à toi Régis, tu nous disais toujours de Thaïlande, quoi de mieux qu'une journée de pluie pour t'écouter confortablement. Excellent, excellent. J'espère que tu vas bien Régis en tout cas. Sacré décalage horaire j'imagine, mais ça fait plaisir que tu sois avec nous clairement et dans un petit coin de paradis. En plus Aris qui nous disait salut Jérémy, bonne journée à toi, bienvenue à toi Aris, merci beaucoup bien sûr à toi aussi et bonne séance à tous. Vico qui nous dit bonjour aussi, Rudy également et Nassirou bonjour aussi, bienvenue à tout le monde. Et un grand plaisir de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle séance, cet open qui nous attend. On va passer une demi-heure déjà sur les graphiques à regarder comment les marchés évoluent et où on en est en fait. Donc déjà du côté ici asiatique, séance plutôt baissière à l'heure actuelle, hein, vous le voyez sur cette bougie journalière, toujours présent sous le point pivot mensuel et les 28 200 points. On va descendre dans le détail rapidement et on va s'apercevoir que les choses n'ont pas réellement changé depuis hier. On a ces zones ici, 27 800, zone support, 28 050, zone résistance, niveau intermédiaire, 27 925, qui tourne déjà autour du point pivot du jour. Et vous voyez les concordances R1, S1 avec respectivement cette résistance, ce support. Donc du trading de range qui continue. On pourrait même essayer de resserrer ça du coup avec des triangles. Ça dépend du point de vue de chacun et de l'agressivité de chacun. Mais vous voyez que quoi qu'il arrive, c'est de la consolidation à l'heure actuelle côté asiatique avec des pressions vendeuses légèrement dominantes puisqu'on a quand même une séance du coup baissière hein, du côté de la bourse de Tokyo. En ce qui concerne la bourse du coup du côté de l'Allemagne, hein, du côté de la bourse de Francfort, le DAX 40, on est toujours donc sous les 13 350. Vous vous rappelez qu'on a en fin de compte marqué un nouveau maintien récemment, c'était la correspondance même avec la publication des taux du coup US d'hier.
d'avant-hier, pardon, excusez-moi, déjà, puisqu'on est jeudi, je crois que c'était mardi, oui. Du coup, on a eu la, c'était ça, hein, c'était ça. On a eu la réintégration et le maintien. Ensuite, bougie complète d'indécision, puisqu'on a quasiment pas de corps. On a une mèche par le haut, on a une mèche par le bas, un beau doji. Et là, on a du coup une bougie baissière qui démarre en fin de compte ce matin en direction du prix médian de cette grosse zone de range en journalier, à savoir les 12 950. Je vous rappelle que la borne haute, donc c'est les 13 350, borne basse 12 450 points. Du côté du graphique horaire, on a cette zone également établie ici, les 13 115 par le haut, qui ont été cassés, vous vous rappelez, en début de séance hier. En fin de compte, ils ont su être réintégrés pour aller chercher le test de la borne basse des 13 000 points et revenir travailler en plein milieu les 13 350 points. Donc du trading de range toujours et encore d'actualité sur le DAX 40 en attente de beaux breakouts haussiers ou baissiers. Et là, attention, parce que ça marquerait la passation à nouveau du prix médian de la grosse zone de range. D'ailleurs, en termes de concordance, on a la zone support S1, non loin de ce niveau clé des 12 950. Le point pivot est juste au-dessus du cours actuel et notamment du niveau intermédiaire des 13 050. Donc trading en range jusqu'à preuve du contraire. Breakout intéressant si on a une belle volatilité qui se met en place. Sinon, attention aussi à des fausses cassures possiblement pour continuer ce trading de range. Donc on va faire bien attention à l'heure actuelle sur le DAX, bien sûr, pour ce début de journée, hein, tout simplement. On passe sur le CAC 40, le CAC 40 qui lui se situe toujours au-dessus des 6 100 points, mais on a eu une belle du coup respiration déjà. Maintenant, on va voir en fait hein, si on est capable de continuer ou si ça marque véritablement le souhait de revenir plus bas sur les 6 100 points. Ça reste le point de vue journalier. Mais quand on regarde hein, déjà le graphique horaire, on est également dans du range. J'établis cette fois-ci entre les 6 187,50 pour ma part et les 6 250 points niveau intermédiaire avant même la résistance 6 300 points. Donc là, vous voyez des concordances quasi parfaites, zone support S1 pour la borne basse, la R1 pour la borne haute et le prix ici point pivot autour d'ailleurs du prix médian de la touche HLS du mini terminal qui nous identifie directement et rapidement le dernier sommet, le dernier creux et nous délimite le tout par des zones de couleur. Donc là, trading de range également jusqu'à preuve du contraire entre les 6 250 et les 6 187,50, donc soit pour un breakout baissier, soit pour un breakout haussier et du trading de range à l'intérieur de la zone jusqu'à preuve du contraire. On va regarder la bourse britannique aussi avec le FTSE 100. On travaille la zone support des 7 300. Zone très très intéressante puisque là vous voyez à chaque fois c'était résistance. Résistance ici encore. Donc là on va voir si ça peut jouer rôle support ou si en repassant en dessous on repasserait dans un principe de résistance. Et là on est sur un niveau très intéressant parce qu'on a en plus un double sommet ici cassé. Du coup qui faisait résistance une fois, deux fois. La zone support attendue. On va voir si on a du rebond. Mais on était limité quand même deux fois récemment aussi par le niveau intermédiaire 7 325. Donc là, on va voir ce matin déterminant vraiment ce niveau des 7 300, je trouve à ce moment, en ce moment, pardon, sur le FTSE 100, soit pour du rebond, testant les sommets précédents au niveau intermédiaire 7 325 pour aller sur les 7 350 en cas de cassure, ou sinon pour casser, réintégrer les 7 300 sous pression vendeuse pour aller chercher déjà les creux précédents. En rajoutant les points pivots, on va voir qu'on a le point pivot qui est déjà un petit peu au-dessus du cours, la zone support S1 qui corrobore les derniers creux ici, et sinon la R1 qui est quand même nettement plus haut. Donc voilà les scénarios pour moi, fonction vraiment des 7 300 déterminants pour ce matin sur le FTSE 100. On va regarder aussi les marchés américains, bien sûr, je reviens rapidement sur le chat. On avait Nexting qui nous disait aussi Innovation, hein, je vais t'appeler peut-être comme ça, qui nous disait bonjour, bienvenue à toi. On a aussi Sophia qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi Sophia aussi. Boubacar qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tous, bonne journée pardon, de trading. Merci à toi aussi, bienvenue Boubacar, ça fait plaisir. Elias qui nous disait, parle-nous du pétrole et du gaz nat s'il te plaît, je sens du coup de l'eau dans le gaz, lol. Alors on va aller voir ça si tu veux. Le gaz, rappelle-le-moi, on passe tous les jours de hein, toute façon sur le pétrole avec le Brent, mais rappelle-moi de regarder le gaz naturel si tu veux en pleine séance, il n'y a pas de souci. Quentin qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Quentin, Laurent également, Nabil, Elodie, bonjour tout le monde, bienvenue à tout le monde, hein. J'espère que vous allez bien, merci déjà pour les 34 likes, pardon, ça fait plaisir. Le S&P 500 du coup qui continue de réagir face à sa résistance 4 100 points et points pivot du jour, puisqu'on reste sur des séquences ici et canachés rouges, tentative de retour aussi autour du niveau support qui était l'ancienne borne de zone de range en fait, les 3 900. On va partir sur le graphique horaire et on va voir ici que j'ai juste un petit peu actualisé la zone, mais ça reste du trading de range. Hein. Zone support 3 925, zone résistance 3 960 et niveau intermédiaire 3 942. Ça range avec des tests multiples sur le haut, sur le bas aussi, donc du trading en range jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire des beaux breakouts bien convaincants, soit par le haut, soit par le bas, sinon trading en range tout simplement dans la zone. Donc là, pas besoin de descendre sur les unités de temps plus petits, puisque on le voit, il est très propre, il est très présent, il est très clair hein, ce trading de range depuis déjà le graphique horaire.
Du côté du Nasdaq, vous allez vous en douter, c'est un petit peu la même histoire, sauf qu'on est déjà de retour autour de cette fameuse zone support, ancienne borne haute, du coup résistance ici et résistance pardon ici aussi de l'ancienne zone de range, support suite à la cassure par là, et puis support en train d'être testé comme support, mais si on casse de trop, bien sûr, on finirait par réintégrer, ça passerait bien sûr résistance. Donc le graphique horaire, lui, intéressant, va nous montrer le trading de range présent entre le niveau intermédiaire des 12025 et la résistance des 12175. Donc ici, vous voyez, on a de multiples tests toujours maintenus sur la zone intermédiaire, et là, on a déjà un test, deux tests, trois tests sur la borne haute résistance. Donc au final, trading de range aussi ici présent. Je peux vous remettre une zone si vous voulez vraiment gardez à l'esprit ici qu'on est clairement dans du trading de range dans la zone. Donc trading en range jusqu'à preuve du contraire, ce genre de comportement jusqu'à ce qu'on ait des choses convaincantes à titre de cassure. Si on rajoute les points pivots, on est un peu au-dessus du point pivot. Zone support S1 non loin de la borne basse, bon un petit peu avant. Et en cas de cassure, attention à la R1, à la R2 qui sont relativement proches tout de même. Je crois que sur le S&P, je vous avais pas mis les points pivots. Ouais. Point pivot qui était sur le prix médian et pour des cassures. Sinon, zone support S1, non loin des 3925 d'ailleurs. Est-ce que je l'avais mis sur... Hop, ouais, parfait, je l'avais mis là. Allez, on regarde le dos. Le dos qui, a, quant à lui, bien aussi réagi face au point pivot mensuel, mais lui, il a déjà réintégré sa zone de range précédente. Hein. Donc, on parle déjà de cette borne haute comme résistance. Les 3 en T1000, en fait, 500 points directement. Quand on regarde aussi, par contre, ce qui se passe d'un point de vue horaire, on est également dans du range. Et là, c'est exactement la même zone qu'hier. Rien n'a été changé. 31200 résistance, 31000 support, 31100 points. Niveau intermédiaire qui se tient ici aussi. Alors, quand on rajoute les points pivots, on a une concordance quasi propre ici avec le point pivot justement du jour. Zone support S1 non loin de la borne basse des 31000 et la résistance un petit peu au-dessus quand même des 31200 puisqu'on va parler déjà des 31350 quasiment. La R2 vraiment sur la borne haute de la zone de range en journalier réintégrée. Attention, c'est toujours bon de garder ça à l'esprit. Du coup, voilà pour les marchés US. Du côté du gold, on est en tentative de cassure et de percer sous les 1695, les pressions vendeuses qui dominent, incapables de revenir vraiment au-dessus des 1730. Au bout d'un moment après la consolidation, on tente la cassure par le bas. Le graphique horaire, lui, va nous montrer justement la première cassure d'une zone de range établie ici. Donc ça c'est fait, hop. Et désormais, dans le détail, la cassure des 1695 avec un mouvement de baisse est lancée. On franchit même le seuil intermédiaire pour l'instant des 1690 pour se diriger directement sur la zone support suivante, 1685. On y retrouve d'ailleurs quasiment vraiment sur le même niveau de prix la zone support S2 journalière. Donc attention à un rebond possible ici, un test par là ou un test par là pour mieux tenter de repartir à la baisse et toujours de tester la zone support. Si on casse, percer et poursuite bien sûr par le bas. Attention aussi à ce genre de choses là, c'est-à-dire qu'on pourrait remonter un petit peu comme ceci, changer la tendance et remaintenir, rechanger je veux dire les 1695 de résistance à support et maintenir à nouveau peut-être ce niveau de prix là. Donc là pour l'instant c'est plutôt clairement une tendance baissière en attente de prix haut, du coup possiblement pour de la respiration et pour y trouver peut-être voilà des opportunités comme ceci. Et après bien sûr plus hop, on finit par casser les zones et plus on peut persister, continuer. Donc on ira voir déjà s'il y a des choses intéressantes ce matin sur le gold, pourquoi pas orienter de ce côté-là, va-t-on savoir. On va regarder aussi le Brent et je reviens tout de suite derrière sur le chat. Ici le Brent qui a encore marqué, en tout cas sur le pétrole, on voit vraiment que les 94 jouent un rôle aussi très important puisque ça marque les esprits, hein, cette borne basse de zone de range. On a du mal à repartir en dessous en fin de compte, pour l'instant ça se maintient en borne basse zone de range. Donc ici on va regarder ça dans le détail, on va dézoomer un petit peu. Vous vous rappelez, on avait cassé donc ce niveau des 94, on avait cassé l'oblique, on aurait pu se dire du coup que ça partait à la baisse. Je le dis très souvent en séance, hein, même avec les LTA, c'est pas parce que vous avez le meilleur setup parfait au monde que c'est une garantie de trade gagnant. Là ça peut en être un exemple, hein. On avait un pullback très propre, alors il y avait de quoi peut-être chercher un TP1, hein, très certainement, mais on n'a pas le début de la tendance baissière que ça aurait pu être. Donc là, réintégration de la zone, je vous ai mis des niveaux intermédiaires notamment intéressants, 94,50, donc cette zone 94,94,50 qui ferait support en fait, hein, jusqu'à preuve du contraire, si cassé pourra faire résistance. Et sinon de l'autre côté aussi un niveau intermédiaire avec les 95,50 avant les 96,50 sur les sommets précédents. Je vais pouvoir maintenant hop, enlever l'oblique, je vais rajouter les points pivots, on va voir que la zone support S1 aussi en sécurité est un petit peu quand même en dessous des 94 avec les creux précédents et les 93,25. Point pivot du jour exactement là où on se situe à l'heure actuelle, et là R1 un petit peu au-dessus de la zone résistance, excusez-moi, avec les 96,50, mais c'est même les 97, hein. Donc attention aussi à cette zone résistance. Donc à l'heure actuelle, soit on trouve du rebond dans la zone ici, soit on va tenter la
cassure comme ceci pour changer la zone ici support en résistance. À ce moment-là, attention à zone support S1 et ensuite zone support S2. Et en cas de rebond, on a déjà un niveau intermédiaire par ici et une belle zone résistance par là. Voilà ce qu'il en est du coup sur le Brent. On peut ici aussi y voir quelque part un trading de range. Donc c'est pour ça que borne basse, borne haute, bien sûr, en scénario, attention. On va partir sur le Forex déjà avec l'euro-dollar aussi. Je regarde la montre, il est 9h46. Il est déjà 8h46, mais on est en avance ici, donc c'est pas un souci. Elias qui nous dit merci, je t'en prie. Maël qui nous dit bonjour, bonjour, bienvenue à toi aussi Maël. Déjà, j'ai pas eu le temps de lire ton message. Panda qui nous disait bonjour tout le monde, bienvenue à toi aussi Panda. Du coup, Roland, boursicoteur bien sûr. Panda qui disait aussi salut à boursicoteur. Boursicoteur qui disait Panda, tu es LTR, question. Et Freddy qui disait bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Freddy. Déjà 42 likes avant l'open, ça fait très plaisir. TP1, des likes justement avant open, c'est les 50. En général, on y arrive ces derniers temps et ça fait vraiment plaisir. Un grand merci à nouveau à tous ceux qui likent et partagent ces vidéos. C'est super important, bien sûr, pour que cette chaîne YouTube vive, tout simplement. Hop. J'arrive, j'ai aussi commencé à préparer tout ça de mon côté ici sur le système pour la séance. Hop, 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 hop. On va rester là-dessus. Et là-dessus, hop. Ok, parfait. Et du coup, là, l'euro USD qui est toujours présent sous les 1,005. Donc, on a tenté vraiment de repartir, de changer la tendance. Pour l'instant, on n'a pas réussi. On est reparti vraiment sous les 1,005. Et à partir de là, on réintègre aussi le range précédent avec ce fameux niveau clé 1,005 borne haute et résistance majeure en journalier. On en avait parlé déjà hier de cette zone de range avec pour borne basse et 99,12. On a cassé ici après. Du coup, un test, deux tests, trois tests, quatre tests ici. On est en train finalement de casser les 99,75 pour se diriger petit à petit sur les 99,40, voire la borne basse, fameuse borne basse des 99,12. Donc ça, c'est du coup le contexte à l'heure actuelle, trading de range, mais en train du coup de continuer le souhait de faire ce scénario hein, vraiment de réintégration par le haut pour aller chercher même le test de la borne basse. Donc on a la zone support S1 qui corrobore un peu avec les 99,40 sur laquelle on pourrait peut-être respirer pour ensuite aboutir sur la zone support S2, sur la zone. Je crois qu'on a même un autre niveau hein, d'un point de vue ici. Hop. C'est zone support S2 et c'est même je crois. Hop. Non. Hop. On aurait cru. Ouais, la zone support S1 est plus bas. Donc c'est zone support S2 avec les 99,12,50 ici. Donc si la baisse se poursuit par et quand par contre on reste limité au creux, attention directement, zone un petit peu obstacle ici et au-dessus, comme on a fait les tests la fois précédente en zone support, on pourrait avoir du rebond pour un test R1 qui corrobore les 1,0015 et en cas de cassure, retour borne haute 1,0050 et la R2 du jour qui corrobore la zone. Donc voilà pour l'euro USD déjà ici. On va regarder GBP/USD, toujours encore pour moi hein, dans une belle tendance baissière journalière. Hein. Ça peut commencer à se poser des questions bientôt, mais pour l'instant c'est encore du coup sous pression vendeuse dominante d'un point de vue plus long terme, hein, vraiment d'un point de vue daily bien sûr. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à la zone dont on avait parlé hier, on avait justement vu la réintégration un peu agressive ici de la zone, boum, ça avait redonné rapidement le test de la borne haute. On a cassé par le haut, on a tenté de maintenir, mais en fin de compte, on a réintégré. Donc on est de retour dans cette zone de range établie sur les mêmes niveaux, les 1,15,37 par le haut, les 1,15,15 niveau intermédiaire et les 1,14,87 borne basse en l'occurrence sur le GBP. Donc borne haute et borne basse qui corroborent les points pivots, point pivot du jour sur la résistance, zone support S1 sur la borne basse, zone support ici, mais trading de range. Donc là on respire sur le prix médian, on va voir si on ne peut pas chercher justement ici des rejets sur la résistance ou des cassures pour rechercher les sommets précédents, la R1 en l'occurrence. Si on a des rejets, c'est du trading de range qui peut nous emmener à terme aussi jusqu'à la borne basse. Donc tout dépendra si on a un beau retour et une belle expression de l'intuition, pas l'intuition mais de l'intention, voilà, je cherche mes mots, de l'intention des acteurs de marché dans cette zone de prix, les 1,15,37 pour moi sur GBP/USD. On va continuer sur l'USDJPY ici, toujours dans sa tendance haussière limitée par son sommet précédent qui associe le test de la R2 mensuelle et de l'autre côté la R1 qui fait office de zone support puisque R1 cassé. Donc au final, vous en doutez, ça ressemblait à un range hein, quelque part, hein, vous l'avez dans le détail ici sur le graphique horaire. Borne basse, c'est bel et bien la résistance R1 cassée des 141,90. Pour la borne haute, testant la R2 aussi,
mensuel et 144,75. Donc trading de rien jusqu'à preuve du contraire. Et hier, ça s'est bien maintenu. Par contre, justement, on a travaillé aussi la zone ici. On l'a cassée, elle est passée résistance. Elle a tenu résistance ici, mais là, elle est cassée dans l'autre sens et normalement attendu un nouveau support. C'est pour ça que je voulais laisser en bleu cette zone intermédiaire de zone de range 143,25, 143,50. On est reparti au-dessus en attendant de voir peut-être ce genre de complément de scénario, je devrais dire. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas revenu chercher le test de la borne basse depuis le test de la borne haute. Voilà ce qu'il en est pour moi sur cette paire ici. On a le point pivot qui corrobore aussi les 143,50 pour du maintien un peu plus agressif dans un premier temps sur l'USDJPY. Du côté du coup de l'USDCAD ici, ce qu'on est en train d'avoir, c'est toujours le test des mèches précédentes. Hein. Vraiment, que ce soit cette mèche ici ou même les plus récentes là et là, on est encore dans la zone en train de tester tout ça au-dessus du niveau clé support des 1,30-25. C'est vrai qu'on a des zones aussi qu'il faudrait que j'actualise en journalier qui travaillent beaucoup et ça se traduit par la consolidation quelque part qui se maintient avec les 1,31-50 borne basse, résistance de l'autre côté les 1,32 niveau intermédiaire en train d'être cassé, retesté pour voir peut-être un petit maintien de hausse ce matin sur les 1,31-75 pour le coup sur l'USD-CAD. Du côté de l'EURJPY, on est en train de respirer quand même un petit peu. On avait un super breakout, belle tendance haussière initiée, mais ça respire. Plus fort ça monte, plus fort ça peut respirer. Attention, on parle de proportionnalité aussi hein, sur ces comportements de vagues. On a ici des travaux légèrement de retour au-dessus des 143, testant le point pivot du jour. On pourrait avoir réintégration de la zone de range précédente avec un niveau autour des 143,67, la R1 du jour, avec notamment les 144,25 autour de la borne haute. Ici, une fois qu'on aurait réintégré, bien sûr. Ici, un peu comme ceci, la zone de range précédente. Ça peut aussi faire obstacle, toute cette zone ici peut faire aussi obstacle et nous permettre de repartir sur test des creux précédents. Mais vous voyez qu'on a été maintenu et testant deux fois la zone des 142,50 de la réaction et de la hausse des acheteurs qui sont revenus à la charge ici, bien sûr, puisqu'on a réagi sur deux tests de zone support 142,50 pour mieux repartir au-dessus des 143 pour l'instant. Voilà les scénarios, attention aux zones un peu intermédiaires, soit pour du rejet, soit pour de la réintégration, pour résumer le tout sur l'EURJPY. Je regarde la montre, il est 52, parfait. EURJBP de retour, donc sous les 86,75. On a un sommet plus haut que le sommet précédent, on a des creux de plus en plus haut aussi, mais on a cette zone qui marque vraiment les esprits à titre de résistance, donc on va quand même faire attention. Ici, en plus, dans le détail, on voit bien que ce niveau clé fait un peu aimant et suscite la création d'un trading de range entre une borne haute 87 et une borne basse 86,50. On est en plein test de cette borne basse. Si on rajoute les points pivots, on a même le point pivot du jour en plein dans la zone. Donc là, c'est vraiment la même idée, hein. Soit on rejette la zone, puisque c'est résistant jusqu'à preuve du contraire, soit on arrive à la réintégrer. Parce qu'on a eu quand même une petite clôture, mais là, c'est des tentatives justement de réintégration qui vont peut-être échouer pour une meilleure relance de la baisse, direction les creux, direction la zone support S1 par exemple. Par contre, si on revient et qu'on maintient bien, direction déjà prix important, 86,75 R1 du jour et borne haute sinon. 87. Voilà ce qu'il en est aussi sur l'euro GBP à l'heure actuelle. L'euro GBP qui, pour l'instant, du coup, est plutôt possiblement sur un rejet pour le coup qu'autre chose. Hein. On ira voir ça ce matin en live, voir s'il y a des choses intéressantes. Mais pour l'instant, ce serait plutôt le scénario envisagé, on va dire. Donc voilà, on va faire le petit point crypto en H4 rapidement, sous la résistance des 20 250 points, après une grosse baisse ici, le marché qui tente de respirer, mais il pourra mieux respirer au-dessus de cette résistance 20 250. Donc soit rejet qui se continue sur la résistance, soit cassure pour plus de respiration déjà en direction des 20 900. Du coup ici, on a le point pivot du jour juste de l'autre côté qui nous soutient un peu, mais on reste limité aussi avec cette résistance R1. Donc attention, toute cette zone résistance, pour l'instant, dans un premier temps, une fois cassé, pourrait passer du coup support. Du côté de l'Ethereum, on travaille déjà un peu plus la zone en support, les 1600. On reste un peu bloqué avec le niveau intermédiaire 1650. On a la R1 pas loin, la R2 ici aussi, et la zone support S1 de l'autre côté, légèrement au-dessus du point pivot pour l'instant. Mais vous voyez, en fin de compte, hein, si on descend sur le graphique horaire, on a clairement un range. Donc range jusqu'à preuve du contraire, attention avec la R1 et la S1 pour résumer sur l'Ethereum ici aussi. Allez, on va mettre les graphes en place et se tenir prêt pour l'open ici. Vous l'avez compris, hein, les marchés US aussi bien en range d'un point de vue horaire, donc attention à ça. On va mettre les graphes un peu voilà en contexte avec les zones support résistance un petit peu autour. Pour regarder ces zones-là pour le FTSE 100. Et on va s'attendre à l'open d'ici 5 minutes. N'hésitez pas du coup, si vous avez des questions, je reviens sur le chat tout de suite.
Alors on en était où du coup? Freddy qui dit du coup pour moi aujourd'hui c'est entraînement en compte démo. Ça marche Freddy, pas de souci. Le bon emploi du compte démo a de la valeur quand même, bien sûr. Hein. Des fois c'est sous-estimé, mais je trouve que ça a de la valeur. Panda qui nous dit pour Sicoteur, non, j'ai pris une fois le démo sur le site de GRM, mais des circonstances perso ont fait que je n'ai pas pu du tout trader pendant la période de test. Ah, ça marche Panda. Désolé du coup pour toi Nassim qui nous disait bonjour, bienvenue à toi Nassim aussi, Bursicoteur qui disait ok, tu n'as pas essayé de renouveler une période d'essai pendant qu'il disait non du coup, et Nassirou qui nous disait Monsieur Jérémy, après le live, puis-je avoir le contenu du trading débutant? Alors, si tu me parles hop, ici du contenu, tu retrouves chez Admiral ici pour le trading débutant. Sur cette page-là, je t'invite à cliquer ensuite en bas, hein, si tu veux remonter sur les articles précédents, sur plus d'actualités, tu retrouveras les autres articles publiés précédemment pour tout ce qui est contenu du trading pour débutants. Didier qui nous dit vivement de bonnes nouvelles pour que la hausse s'installe à nouveau. Ouais. Bah après, tu sais, en tant que trader, on exploite autant la baisse que la hausse. Donc après, on peut faire beaucoup d'argent sur la baisse clairement aussi, mais c'est sûr que pour la santé économique, etc. Sur le global, ce serait mieux que ça rebondisse, mais c'est comme ça aussi. Zoubou qui nous est, bonjour à tous, bienvenue à toi Zoubou, Elias qui nous dit, oui Didier, et Mickaël qui disait, la hausse des marchés actions n'est pas à l'ordre du jour, je pense. Nicolas qui nous est aussi, bonjour à tous, possible analyse de l'autre cadre, merci. Yes, on va y passer si tu veux. Mickaël, hop, je l'avais lu, pardon, Boursicoteur qui disait, Mickaël, surtout qu'ils annoncent une hausse des taux de 100 points de base. Yes, c'est sûr, hein, c'est sûr. Autre cadre rapidement pour Nicolas, hop, on va aller chercher ça. Hop. Il nous reste 3 minutes. Parfait. Donc ici, on en avait parlé ensemble. Quelque part, on était dans un gros trading de range aussi qui tentait la réintégration ici, qui travaille beaucoup la borne basse. Après, si tu veux, tu as déjà up de l'impulsion comme ça, un retest d'une zone de support en résistance, c'est ce qui maintient pour l'instant. Mais tu vois que on souhaite quand même revenir petit à petit. Et ça marque aussi plus l'idée vraiment d'avoir un trading de range avec une zone qui travaille un petit peu ici pour te donner un ordre de prix. Ça tourne autour, pardon, des 88,80, 88,75 par exemple. Et c'est ce qui marque le maintien à l'heure actuelle. Et du coup, d'ailleurs, si on up. On rajoute, si tu as un petit peu tout ça, 88,80, tu vois, ils sont à peu près par là. Ça a été la résistance cassée et maintenue en support récemment. Et pour l'instant, on tente de rebondir. Donc, très certainement un maintien du range journalier finalement qui veut se mettre en place, hein, sur l'autre 4 pour moi. Voilà, voilà ce que j'y vois tout de suite maintenant. Allez, à 2 minutes de l'open ici. Du coup, Mickaël qui disait pour Psychoteur plutôt 1 point, tu veux dire, j'imagine. Alors, c'est 100 points de base pour 1% de hausse des taux, hein, normalement. Quoi qu'il arrive, je ne pense pas. Je pense, pardon, qu'il ne faut pas être naïf pour penser qu'on sorte, voilà, du bear market. Parce que je suis short sur le S&P depuis début mai. Top, top, top. Tu tiens encore ton short, du coup, Mickaël. Bravo. Françoise qui nous disait bonjour à toi. Jérémy, bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi, Françoise. Jérôme qui nous disait hello la team. Bonjour, Jérémy. Bonne séance à tous. Bienvenue à toi, Jérôme. J'espère que tu vas bien. Pour Cicoteur qui disait un point à la place de 0,75, si tu veux. Ahmed qui nous disait bonjour à vous tous. Je suis en vacances et je vous suis à l'étranger. Merci, Ahmed. Ça fait plaisir. C'est sympa à savoir ici. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Je vais juste ici me tenir prêt sur l'open. On va voir du coup. Comment ça va démarrer ici sur la séance? Ok, l'open qui va se faire. On est pour l'instant sous les 13 050 sur le DAX. On tente la cassure des 7 300 déjà sur le FTSE 100. Ouais. À 5 minutes déjà, l'open, le FTSE 100 a démarré la baisse. C'est dommage. Il y aurait quelque chose à faire, mais c'était 5 minutes avant. Dommage ici. Il y a peut-être un peu de baisse à prendre ici, du coup, sur l'euro dollar. On va prendre un petit scénario.
en attente. Hop, on va regarder ça comme ça. Un niveau de prix d'entrée en attente sur les 99,58. Ça démarre tranquillement sur les indices pour l'instant. Il est 9h01 déjà. Je vais regarder le GBPEZ, ce qui règle la baisse aussi. Pour des 1,15-17. Petits ordres en attente pour voir du coup si on a des déclenchements. Côté Forex, en attendant de voir s'il y a plus de choses à faire. Du côté déjà ici du marché. Alors ça va vite, il y a déjà un petit scénario en cours. Du coup, à l'achat, je suis pas loin du TP, il me faut les 13 055,33 sur le DAX. Ah, je suis déclenché sur l'euro dollar, on va aller surveiller ça. Je vais annuler le scénario, je l'ai pris un petit peu tôt, donc je gagne ici 2-3 petits points. Hop. Mais c'est vrai que je l'ai pris un petit peu tôt. Un petit peu au taquet ce matin. Bon, j'ai pris 2-3 petits points, c'est du positif. On va voir ce que ça donne pour cette vente ici sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est pour une vente, pour aller chercher dans un premier temps 5 pips par exemple autour des 99,53. On a le gold aussi qui est clairement baissier hein, pour l'instant, qui tente de casser les creux précédents. On aurait une zone support S2 avec notamment les 1685 un peu plus bas. En attente d'une vente possible aussi avec ordre en attente sur graphique temps en ce qui concerne le GBPUSD. Ça va peut-être aller sur les 53,30. Je préfère être safe parce que je me suis aperçu que j'ai pas respecté l'horaire. Le setup était juste avant, sur les 1 minute avant l'open. Mais du coup, j'ai synchronisé. Mais du coup, dans le backtest, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je reste sur les règles. Bon, ça va atteindre les 55. Et puis, c'était du coup ici pour être plus safe. Ça aurait très bien pu aussi hésiter. Et je veux respecter un maximum les stats du coup. Donc trois petits points pour l'instant, je crois que j'ai attrapé. Un point et demi, autant pour moi. Un point et demi net de spread. En tout cas, ça aurait touché la target des 13 055. Donc je vais être en stand-by maintenant. Alors, hop, ça veut descendre un petit peu. Toujours pas déclenché hein, sur le GBP/USD. Je vais laisser ça comme ça. Et du coup, l'euro dollar qui hésite quand même beaucoup aussi pour l'instant. Le DAX du coup qui monte. Donc favori à la hausse pour sur du DAX M1 pour ma part. Attention au range sur le M5. Il ouais, faut faire attention au timing. C'était un trade bon, mais bon,
ne peut pas garantir que ce soit toujours des trades bons quand on prend une minute avant l'open, donc attention ici. Comme d'habitude, bien sûr. Respectez surtout les règles de votre stratégie, c'est ultra important. Mika qui disait ça marche à boursicoteur. Chris qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi. Du coup, Chris, Mika, tu nous dis aussi j'ouvre des shorts périodiquement sur S&P. Dès qu'on est en surachat, je remets une louche. Ça marche, ça marche. J'espère que ça va continuer pour toi, du coup, et que ça va bien porter ses fruits. Philippe qui nous dit bonjour à tous, bonjour Jérémy, bonne séance de trade. Merci à toi aussi, bienvenue Philippe. Déjà 64 likes sur l'Open, ça fait très plaisir, merci à tout le monde. Pétrole et or, nous disait Françoise. On est passé dessus, hein, sur le Brent et le Gold. Alors, le Gold, si tu veux, on est établi en fait, hein, vraiment, je repasse sur le graphique horaire si tu veux. On est donc sous les 1695 dans une tendance baissière. Possible test prochain de la zone support des 1685. Donc, biais directionnel baissier en attente de voir si ça peut respirer un petit peu ou si ça veut aboutir sur le test ici. Du côté du pétrole, c'est vraiment cette zone support autour des 94-94-50 qui serait en test désormais avec un petit peu le point pivot, soit pour du rebond, soit pour de la cassure. Mais niveau central pour aujourd'hui, je trouve cette zone de 94 à 94-50. Allez, je vais être déclenché aussi ici sur du coup le GBPUSD, donc vente pour ma part sur graphique temps entre ce qui est entre pardon l'euro USD et du coup tout simplement le GBPUSD. Donc c'était un setup bien valide, hein. Le TP1 était largement atteint, parce qu'on dépassait même les 13 055 pour aller sur un plus haut des 13 070 pour l'instant quasiment. Donc je suis en tendance haussière du coup sur le M5, sur le M1 désormais. C'est en train de changer le biais directionnel du M5 qui était range pour passer plutôt en hausse favorable. Jean qui nous disait bonjour Jérémy, bienvenue à toi Jean. Success Trader qui nous disait bonjour Jérémy. Du coup bonjour à tous, bienvenue à toi. Hein. Tu nous disais, est-ce que tu as déjà utilisé le Stream Deck pour trader? Non, non, non. Et je préfère, si tu veux, dans mon trading, utiliser tout simplement la machine. Donc je suis assisté avec l'assistant VIP que j'ai fait développer. Plutôt que d'avoir une intervention manuelle avec une interface comme le Stream Deck. J'allais dire une manette, mais c'est pas une manette, mais c'est une interface comme le Stream Deck. Mika qui faisait du coup, oui, hausse des taux à 1%, 60%, enfin 100 points, 100 points pardon, mal réveillé aujourd'hui, pas de soucis Mika, t'inquiète. David qui nous disait bonjour Jérémy, Jérôme, non c'est Jérémy, hein, du coup je découvre ton live et j'adore, merci beaucoup David, ça fait plaisir, n'hésite pas si tu as des questions. Tendance haussière, ça y est, favorite pour moi désormais sur le DAX. Hop. J'ai attrapé 1,5 point, mais je suis sorti parce que bah, du coup c'était un timing un tout petit peu agressif. Donc j'ai tenu à respecter les règles de ma méthode. Je prends pas de trade avant 9h. Donc je suis ressorti aussi sec. Souvent c'est la meilleure des décisions à faire. Ça m'aurait permis un TP1 aujourd'hui, voire plus, mais c'est comme ça. Il faut aussi être discipliné. Et la plupart du temps, quand on part en mode espoir parce qu'on est dans un trade qu'on n'aurait pas dû, ça se passe pas forcément bien. Donc la ouais, petite leçon, un petit rappel aussi sur cette leçon très importante. Du coup pour le trading, ça pousse, ça pousse. C'est une bonne opportunité en plus puisque ça pousse bien. Mais c'est comme ça, faut pas regretter, faut suivre le plan. Le reste, ce n'est que des probabilités, des statistiques. Jérôme qui disait du coup, bien quand même l'open d'aujourd'hui, sont en train de donner des points à la hausse. Hein, pour les plus agressifs, sûrement d'entre vous, vous êtes peut-être déjà dedans. Donc ici, content si vous pouvez attraper pardon, des points à la hausse. La violence de l'open, nous disait Bocat. Boursicoteur qui disait pas de soucis, Michael. Marie qui disait comment faire pour avoir le livre, s'il vous plaît. Alors tu parles de quel livre, Marie? Philippe qui nous disait. Alors, j'ai pas compris, Philippe, ce que tu voulais nous dire. Didier qui nous disait plus 28 points sur le DAX, du coup, de 20 points dépassés avec un like. Bravo, Didier. Bravo, bravo. Félicitations. C'est en train de monter en cassure, en fait, des 13 050 pour l'instant. On va voir si l'euro dollar et le GBPUSD souhaitent bien descendre, hein, ici. Potentiel baissier. On va voir ce que ça donne. Graphique temps en l'occurrence pour ces setups là. Le petit trade de tout à l'heure c'était sur le système. Et je suis en stand-by maintenant pour des achats. Jean qui nous dit bonjour Jérémy, s'il vous plaît, que signifie XO et comment trouver puisque j'utilise le broker. Alors je ne peux pas citer d'autres brokers ici Jean, mais du coup c'est le gold hein, que tu cherches. C'est le gold que tu cherches, donc le XAUSD sur ton broker, soit c'est nommé gold, soit XAUSD en l'occurrence, s'ils ont bien sûr le gold. Donc je t'invite à regarder ça, j'ai dû enlever ton message puisqu'on va pas citer d'autres brokers ici sur le channel, sur le canal Admiral, là, tu t'en doutes. Hop, ici, donc voilà, je suis en stand-by pour l'instant, en attente de retracement M1. Titulaire Hachi qui nous dit bonjour Jérémy, bienvenue à toi, merci pour l'air, j'espère que tu vas bien, ça faisait un petit moment. Cédric aussi qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi Cédric.
Bobcat, du coup, pourtant, perso, le trade s'est ouvert à 9h01, bizarre. En fait, l'ordre en attente, non, aurait été déclenché si tu veux. Alors, on regardera ça si tu veux, mais je ne sais pas si tu n'as pas pris le setup juste d'après qui était plus agressif. L'ordre en attente, si tu veux, se déclenche en fait à 57. Et du coup, bon, en tout cas, tant mieux, Bobcat t'a attrapé la hausse. Tant mieux, tant mieux. Antonio qui disait bonjour à tous. Bienvenue à toi, Antonio. Merci pour les likes, ça fait toujours plaisir. Alors, zone de retracement en cours sur le M1, on va voir ce que ça peut donner. Je vais vous le mettre ici en M1, le DAX. Hésitation sur l'heure de la LGBPSD pour descendre. Retracement très timide pour l'instant sur le DAX. 72 likes déjà, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tout le monde. Bobcat qui me dit du coup, ah oui, j'ai désactivé pour réactiver à 9h, mais effectivement, c'est la même bougie en cours. Yes, ça marche. Cédric qui veut GBPUSD qui peut décoller à la hausse, en tout cas, on dirait bien. Alors GBPUSD qui est du coup bah, entre ces deux zones, hein, en réintégration depuis la 1537, moi j'y verrais bien une poursuite sur la borne basse en fait. Si tu regardes par exemple le graphique horaire qu'on a vu tout à l'heure, on est sur des petits escaliers de baisse hein, ici. Et sur le daily, pour moi la baisse qui continue jusqu'à preuve du contraire. Oui, une fois qu'on aura le rebond, ce sera du coup marqué comme très certainement un arrêt possible de la tendance baissière, mais pour l'instant ça a encore son potentiel. Rebond trop timide par ma part pour le moment. Philippe qui nous est désolé, j'ai tapé n'importe quoi. Ah, pas de soucis. Pas de soucis. 149 dans le live ce matin. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est sur de la hausse pour l'instant sur le DAX. En cassure des 13 050, direction possible 13 115. Testé et cassé même hier en séance pour mieux être réintégré plus tard dans la journée. Ah, ça a du mal à continuer sur l'euro dollar, le GBPUSD qui se pose beaucoup de questions. Le gold hein, qui casse. Le gold qui casse ses creux précédents pour aller chercher plus bas. Bon, le ratio n'était pas exceptionnel. Je suis déjà initié sur l'euro dollar et le GBP/USD. Mais voilà. Hop. Et ça hésite, il faudrait que ça corrige encore un tout petit peu pour que ça devienne intéressant pour ma part. Le Brent qui rentre dans sa zone support. L'USDJPY qui continue au-dessus, sans retracer pour l'instant. Enfin, il faudrait qu'il retrace idéalement en direction des 143,50. L'euro JPY qui continue aussi un peu au-dessus de son point pivot pour l'instant. L'euro GBP qui travaille toujours cette zone ici, autour du point pivot. Ça hésite, mais pas, ça retrace pas suffisamment pour moi sur le DAX M1. Ça risque de repartir d'ailleurs. C'est Cyril voilà, qui nous dit bonjour, bonjour, bienvenue à toi Cyril. Cyril, alors attends Philippe, hop, je l'avais lu. Ok, personne, j'attends un retour sur support pour acheter le rebond sur son EB, tu nous disais Cyril, ça marche. Nabil qui nous dit du coup, vous êtes à l'achat EURUSD. Non, je suis en vente. Je suis en vente sur l'EURUSD. Pareil ici, en train de casser des niveaux pour une tentative de poursuite par le bas. C'est juste que ça se maintient beaucoup sur les creux précédents. On va voir si le scénario peut aboutir. Tout comme le GBPUSD qui est vraiment en stand-by. Là, les marchés
pour l'instant, sont très très lents et réfléchissent. Mickey qui faisait du coup l'or retrouve le bas de son range entamé depuis le Covid. Et si ça du coup remonte, on aurait une belle opportunité en swing. Si ça casse par le bas, ce serait une bonne occasion de shorter, je pense. Ouais, bah, autour des niveaux clés comme ça, c'est sûr qu'il y a des grosses prises de décision et des scénarios qui en découleront. C'est clair. Nabi qui ne... Alors voilà, Nabi, je suis plutôt en vente hein, sur l'euro dollar ici. Jean qui nous dit merci, je t'en prie, Jean. Tony qui disait ma petite chienne vient de prendre un trade. Ouyouyou, j'espère que ça va bien se passer. Ou tu peux réagir vite, hein, bien sûr. Emmanuel qui nous disait bien le bonjour à tous, bienvenue à toi, Emmanuel. Cyril qui nous disait je pense que les marchés vont aller plus bas. Tu en penses quoi? Tout dépend de l'horizon de temps que tu souhaites exploiter. Moi, typiquement, là, j'attends pour acheter le DAX, tu vois. Mais j'ai besoin qu'il descende un petit peu. Et puis bon, là, il y a un potentiel de baisse sur le GBPUSD, sur l'euro USD. Donc, à voir, à voir, à voir. Hein. Si, du coup, pour ceux d'entre vous hein, qui sont sur les marchés américains, le Dow et le Nasdaq sont dans des zones de range, attention. Du coup, donc, trading range jusqu'à preuve du contraire, on est proche des bornes hautes en plus. Ah, ça risque de repartir sans moi. Un retracement trop agressif pour l'instant. Sophia qui dit bravo à elle. En plus, c'est gagnant, nous dit Antonio en rigolant. Excellent. Bravo, bravo. Ça commence à rebondir, mais ça hésite quand même beaucoup. On est autour du point pivot du jour sur le DAX. C'est le GBP qui va peut-être pas réussir à y aller ici. Testant ces mèches précédentes ici, c'est maintenant que ça se décide. Qui est sur le test des 7325 déjà en réaction en repassant en fait au-dessus des 7300. Allez, un peu plus d'hésitation, on reviendrait un peu retracer autour des 70, 66. Ce serait pas mal sur le DAX. Pas loin du stop pour l'instant sur GBPUSD. Voilà, ça sort en stop ici pour un trade sur graphique temps avec des mèches en rejet ici qui auraient pu donner sur cassure le test du creux précédent et la poursuite par le bas, mais le marché ne souhaite pas descendre. Donc ici, on se dirige petit à petit sur une résistance, les 1,15375 autour du point pivot du jour. EURUSD toujours en cours, d'ailleurs je vais le mettre là comme ça on pourra aller voir aussi ce qui se passe sur le FTSE au-dessus. Hop. Toujours en attente pour moi sur des achats du DAX sur mon compte perso à côté. Lassina qui dit salut le public, bienvenue à toi Lassina, excusez si je ne suis pas dans le sujet, moi je n'arrive pas à ouvrir mon compte, je suis bloqué au niveau du mot de passe. Alors je t'invite à contacter directement Lassina, l'équipe commerciale, ils pourront même te prendre au téléphone et te guider dans l'ouverture du compte. Donc n'hésite pas, tu as le lien dans le site, je vais y arriver, tu as le site du lien dans le descriptif de la vidéo. Dis-moi si tu veux, je te le partage aussi directement dans le chat. Antonio qui dit DAX acheté par la petite, plus 8 points, top, 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 bravo. Un petit peu haut pour moi le DAX, là j'attends un peu qu'il redescende, mais il n'a pas l'air de vouloir redescendre un peu. Bob 4 qui nous dit Lassina, contacte directement l'assistant du broker, yes. Exactement. Didier qui nous dit plus 37 points MT5, plus 20 points MT4, ça sent le bull en daily. Bravo Didier pour tes scores ici. Et du coup Didier qui dit Antonio, donne-lui des croquettes. Lassina qui nous dit merci bien pote. Allez, stand-by toujours pour moi sur le DAX. Il y a du rebond, mais pour autant, il a du mal hein, avec son sommet. Donc, je respecte mes règles et j'attends un retracement plus profond.
plus vous prenez des retracements agressifs, plus du coup vous avez de trades, certes, mais en général le taux de réussite a tendance à bien descendre et les ratios peuvent aussi descendre sur le long terme. Mais c'est le genre de choses qu'on s'aperçoit que quand on fait du backtest long terme. Allez, est-ce qu'on pourrait pas repartir sur les 70? Ce serait pas mal. Toujours en cours aussi sur l'euro dollar pour l'instant. Le GBPUSD, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une belle bougie qui clôture assez sur le point haut ici et pour l'instant ça corrige un petit peu. Le GBP qui commence à essayer de repartir à la baisse. On va voir si la hausse du FTSE 100 peut se tenir. Et le DAX qui va finir par se décider, retracement trop peu profond pour moi, mais ça va peut-être quand même suffire à casser le sommet et à continuer sur l'extension avec la résistance en fait hein, des 13 115. Ah, si on a un petit retracement plus profond, ce serait vraiment obtenir un prix bas dans un marché qui a du potentiel haussier. Ouais, ça hésite, mais ça va peut-être partir du coup. Sûrement, on va voir ça. En tout cas, c'est sûr que ça part pas franc sur le test du sommet précédent et la cassure, ça hésite un hein, max. Toujours en cours sur l'euro dollar pour l'instant. Il veut se maintenir sur la zone. Du coup ici autour de ces creux précédents en fait. Donc en testant une dernière fois le dernier sommet pour y aller, c'est la dernière opportunité. Sinon ce sera un stop ici aussi. Voilà le retracement et ce sera 100 mois ici. Par contre, il y aura peut-être du trading de range qui commence à prendre place si jamais ça a du mal. Donc ce sera peut-être pas un retracement, ce sera peut-être du trading de range pour moi. On travaille le point pivot. Allez, si on casse les 93, on pourrait sortir d'une zone de petite consolidation en fait sur le M1 et poursuivre plus haut. Philippe qui disait du coup, il me semble qu'il y a une divergence haussière sur 15 minutes en RSI. Hop, sur 15 minutes. Ah, entre les deux derniers creux là, yes. Oh, ça m'étonnerait pas étant donné la forme des creux ici. Ça m'étonnerait pas. Ça y est, on teste le sommet précédent. On va voir si du coup ça va partir en range ou si ça va partir en poursuite de tendance. Badash qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Badash.
Philippe, sur l'EURUSD. Yes, qu'est-ce qu'il y a sur... Ah, tu parlais de l'EURUSD en 15 minutes, du coup? Alors, attends, important de préciser. Ah oui, il y a moyen, là. Il y a moyen. Mais pression vendeuse dominante, quand même. Donc, à voir, à voir. Ce que je dis très souvent, hein, même le plus beau des setups peut être perdant, et même le plus moche des setups peut être gagnant. Tout dépend le taux de réussite que vous obtenez à prendre tel signal à chaque fois. Sur les setups que je vous prends sur graphique temps, je n'ai pas de taux de réussite de backtest de réalisé. Moi, j'ai le taux de réussite, les backtests réalisés sur ma méthode avec le système LTA. Les exemples que je vous prends à titre éducatif et pédagogique pour vous montrer quelques exemples de formation de bougies sur des endroits stratégiques, etc. Ça, je n'ai pas les statistiques à vous partager. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trader ça sur Contrail. Ce que je traite sur Contrail, c'est ma méthode, du coup, qui a été backtestée sur plus de 150 000 trades. Donc c'est pas pareil. Vico qui nous disait bande touche pour moi sur le CAC et le reste. Bah, le CAC, il est déjà ouais, dans une zone maintenant résistance R1 et notamment 6250. Le spread est passé il y a 10 minutes à 0,8. Mais du coup, ouais, c'était à partir de 15 et c'était déjà assez lancé. Donc stand-by pour moi clairement. La hausse qui se poursuit très certainement sur les 13 115 sur le DAX. Donc on reste dans de la tendance haussière. Pas de range à l'horizon. Toujours en attente d'achat sur des prix bas possibles. Intègres-tu l'héliotisme à tes analyses techniques? Alors comportement des vagues, oui. Je ne vais pas forcément suivre à la lettre les vagues d'Elliott. Du coup, le comportement des vagues, je les étudie. Ouais. Emmanuel qui disait, Jérémy, tu as utilisé la stratégie Beast Setup. Ça me parle pas, la stratégie, je t'avoue, Emmanuel Beast Setup. Donc non. Michael qui nous dit la vague d'Elliott marche uniquement sur du moyen long terme en intraday, même sur du 15 000, il y a trop de bruit de marché pour que ce soit valable. Alors moi, ce que je suis plus, c'est la théorie de dos en fait, hein, que les vagues d'Elliott en fait. Cédric qui nous disait, ah ok, tu peux t'en servir pour l'analyse de fond quand même. Oui, clairement. Après, ça dépend aussi comment tu vas prendre tes trades. Parce que tu retrouves ce schéma de vague un peu partout. Hein. Douglas qui nous dit coucou tout le monde, bienvenue à toi Douglas aussi. Lensley, ouais, qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Lensley. Allez, ça continue de monter ici, toujours en attente d'achat. J'ai pas eu le retracement suffisant que j'attendais. Du coup, j'attends, j'attends, j'attends. Badass qui nous disait, Badass, pardon. Badash qui nous disait, moi j'ai abandonné le trading après 4 ans de trading, j'ai perdu beaucoup d'argent, je pense pratiquement impossible d'être profitable et surtout, du coup, c'est difficile de battre le marché. Tout dépend comment tu fais les choses, Badash. Moi, ça fait à peu près 12 ans maintenant que je suis derrière les écrans. Ça m'a mis du temps avant de trouver, du coup, bien sûr, de développer ma méthode, etc. Mais par exemple, tu vois, depuis mi-février, par exemple, je fais du 8% moyenne par mois sur un contrat futur en ne tradant que 2 heures par jour, 4 jours par semaine. Et du coup, tu as des traders profitables aussi qui sont dans le chat. Et par exemple, sur ce mois de septembre, pour l'instant, je suis de retour à 10%. Hier, journée négative. Mais tout dépend comment tu fais les choses, en fait, Badash. Pour moi, par exemple, la clé a été de penser à déjà commencer à travailler de manière systématique le marché. Et aussi les backtests. Les backtests qui te donnent la confiance et qui augmentent ton expérience de trader aussi. Pour ça, à un moment donné, tous les vendredis, je vous disais. N'hésitez pas à regarder l'article backtesting pour vous entraîner le week-end. Vous pouvez gagner en expérience, même comme quand les marchés sont fermés, en revivant les séances ou en analysant les graphiques, etc., etc. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années et ça m'a permis du coup d'avoir une bonne base. Et il est tout à fait possible d'être profitable sur le trading. Après, la grande question, ce sera de combien? Parce que tu sais qu'en fait, pour être gagnant en trading, c'est pas si compliqué. Il suffit d'avoir du coup une stratégie. Un signal qui gagne plus en fait de 50% du temps. Donc c'est-à-dire dès que tu gagnes 51% du temps tes trades, il te suffit d'avoir un ratio à 1 pour 1. Donc tu risques 50 euros pour gagner 50 euros et à partir de là, mathématiquement, tu es gagnant. C'est juste qu'à 50% de taux de réussite, tu vas avoir des drawdowns très très sévères et très méchants et que la plupart du temps, les personnes s'arrêtent en perte dans les drawdowns. Tu vois ce que je veux dire? Mika qui disait à Badass, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est très difficile. Si tu n'y es pas parvenu, c'est que tu n'as pas fait le nécessaire. La faute ne vient pas du marché, mais de toi, à mon avis. Alex qui nous disait pour être sur CFD et pas futur. Pourquoi être sur CFD et pas futur? Alex, ici, c'est tout simplement la chaîne YouTube Admirals, hein, broker CFD. Donc, forcément, du CFD sous les yeux. Après, moi, je trade aussi les futurs, mais du coup, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux classes d'actifs. Et du coup, mon souhait et ce que je fais, c'est de tirer avantage du meilleur de ces deux actifs aussi en tradant les deux. Je me diversifie aussi et du coup, ça me permet d'avoir un compte CFD, un compte futur et de faire mes performances sur les deux.
Badache qui me dit, j'ai acheté des formations de trading très chères, mais ils sont nuls. Alors attention sur Internet, hein. Moi personnellement, j'ai jamais acheté de formation en ligne sur Internet ou quoi. J'ai plutôt choisi le schéma autodidacte. Mais bah, tu peux avoir malheureusement des choses pas très sérieuses sur Internet. Donc faut faire attention vers qui tu vas en fait. Roland qui nous dit, Jérémy, pourquoi quand on prend une position, ça devient une ligne support et résistance? En fait, ça te matérialise ton prix d'entrée. Donc c'est une ligne sur le graphique, c'est pas forcément support-résistance, mais tu vois, c'est une ligne à l'horizontale en pointillé qui se présente sur ton graphique. Allez, on va peut-être avoir du retracement sur le DAX M1. On va voir s'il y a quelque chose à faire avant même d'aller chercher concrètement les 13 115. Ça respire aussi sur le FTSE 600 un petit peu. Voilà, l'euro dollar qui est sorti aussi en stop ici. Et du coup, on va aller chercher le point pivot à la résistance aussi sur le GBP/USD. Donc ici, sur graphique temps, ça n'a pas donné de poursuite comme attendu. Ça arrive, hein, des setups qui sont perdants. Et si vous ne connaissez pas, par exemple, les backtests qu'il y a derrière et la mécanique et le fonctionnement de la stratégie, on ne sait pas où on en est. On ne sait pas si c'est normal, si c'est pas normal, etc. Alors hop, retracement courbe, par contre, invalidé, c'est dommage. Donc je vais attendre beaucoup plus de retracement que ça maintenant. Ce qui est bien avec le systématique, c'est qu'on ne se pose pas de questions. Après, oui, ça peut pas être, du coup, ça peut pas coller toujours à ce qu'on aimerait, parce que c'est du systématique, parce qu'il y a des règles qui sont précises. Mais du moment que ça tient la route sur le long terme, je trouve que c'est bien plus agréable et plus réaliste de baser un plan de développement de revenus complémentaires et de revenus principaux sur ce genre de choses-là, que d'essayer d'être dans n'importe quel des mouvements que le marché fait, en fait. Ça, c'est vraiment ma philosophie aussi. Michael, tu disais, les formations ne servent à rien si le travail personnel ne suit pas. Ma réussite de trading, c'est 5% de théorie et 95% de pratique. Excellent, excellent, Michael. La pratique, il n'y a rien de tel, hein, c'est clair. DAX achat, 22 points pour Antonio. Bravo, Antonio. Yorinis, pardon, qui nous dit, clôture les gains rapidement en BE, très vite au milieu de nulle part et on perd souvent des gains comme ça. C'est le souci du break-even, hein. Tout le monde est tenté par du break-even. Pourquoi? Bah, parce que c'est une réaction humaine et émotionnelle qui vise à sécuriser le plus tôt possible. On se dit, tiens, maintenant, je ne risque plus rien, c'est bon. Le marché, lui, ne réagit pas comme ça. Et je peux vous le dire, hein, de manière mathématiques, au niveau des probabilités, des statistiques, plus vite vous mettez votre break-even, plus vite vous sortez à break-even. C'est tout. Donc c'est une question de timing, si on veut vraiment l'utiliser. Moi personnellement, j'utilise pas le break-even dans ma méthode en fait. Didier qui me dit, du coup, tiens, moi Jérémy, aussi Red Day hier, moins 2 points sur MT4, trade en swing, bull DAX en négatif pour l'instant. Yes, moi hier, journée perdante, hein, journée perdante, je m'en cache pas, j'ai perdu 3%, je crois. Mais vu que je faisais déjà 13,8%, je suis dans les 10% depuis le mois de septembre. Donc on ne peut pas toujours être sur des séances de gains consécutifs tout le temps. Il faut bien qu'il y ait des trades perdants. Et du coup, c'est surtout comment vous allez réagir et gérer vos trades perdants, enfin vos phases de trades perdants qui feront une énorme différence. Jess qui me dit rebonjour, s'il te plaît, c'est quoi le backtesting? Et exactement. Alors je vais pour le coup, hein, tu me donnes l'occasion d'aller te chercher la vidéo dans laquelle tu auras l'article aussi. Je vais te montrer sur la chaîne YouTube. Quand vous avez vous posez ce genre de questions, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube dans la barre recherche. Attendez, hop, je me trompe d'écran, c'est ici. Voilà, backtesting. Hop. Et du coup, vous allez tomber sur les astuces du backtesting parce que je vous ai fait un webinaire récemment aussi là-dessus et le meilleur logiciel backtesting. Donc, dans ces deux articles, vous retrouverez le lien de l'article complet aussi, mais ces deux vidéos sont très intéressantes, très importantes, du coup pour ceux qui souhaitent du coup commencer à penser au backtesting. Alors retracement, mais pas dans mes règles, pas dans mes règles, donc stand-by pour l'instant. Donc dis-moi, Jess, hein, quand on va regarder les vidéos, tout ça, ce que tu en penses. Mais en fait, le backtesting, c'est le fait de backtester, c'est-à-dire de tester dans le passé ta stratégie de trading avec tes signaux, de l'emplacement de tes stops, l'emplacement de tes TP, etc. C'est aussi simple que ça. Mais à la fin, tu dois pouvoir avoir justement un taux de réussite associé à cette stratégie, à ces signaux, un risk reward. Tu peux avoir plein d'informations comme ça qui vont te confirmer ou non que l'emploi de ta stratégie est intéressante à l'avenir, en fait. Emmanuel qui disait, Jérémy, tu as mis combien de temps pour commencer à être vraiment rentable en trading? Alors, ben, j'ai mis à peu près, je pense, à environ 5 ans. Environ 5 ans parce que j'étais perdant et ensuite j'étais dans une phase de transition. Je gagnais autant que je perdais. Et ensuite, j'ai commencé à dégager 5% en moyenne par mois. Alors, si on pourrait être rentable, on peut parler de pourcentage. Si ça correspond, ça dépend de la définition de chacun. Mais rentable, 5%, oui, ça dépend de la taille du capital.
Moi, j'ai dû aller plus loin que ça parce que, bien, du coup, 5% d'un petit compte quand j'étais étudiant, ça suffit pas. Et ça me prenait aussi beaucoup de temps. Ce que j'ai réussi à faire avec mon système, c'est rentabiliser plus le temps passé sur les écrans et obtenir potentiellement plus que 5% en moyenne par mois aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai dû aller plus loin, chercher plus loin et travailler plus fort en fait aussi pour trouver ça. Et pour pouvoir développer ça, le tester et avancer bien sûr. Panda qui nous disait, qui dit pardon, à Badage, forme-toi gratuitement plutôt, tu pourras trouver d'énormes choses gratuites. Pardon, qui te donneront des bases solides. Les vendeurs de formation sont pour beaucoup de simples vendeurs de rêves. Attention, voilà ce qu'on trouve sur Internet, c'est clair. Cédric qui nous disait GBP/USD qui entamerait sa hausse. Alors, ça, tout dépendra du test de la résistance ici et du point pivot. Pareil, on est sur l'obstacle maintenant. Hop, des 99,75 sur l'euro-dollar. Ça réagit, ça baisse sur le FTSE 100. Je vais peut-être avoir une opportunité de retracement si ça continue ici. Parce qu'on n'a pas su vraiment continuer la hausse. On retrace encore. Ça range sur le M1, attention du DAX. La Sina qui dit donc en conclusion, l'auto-formation est l'alternative la meilleure. Ça dépend parce qu'en fait, si tu veux. En fait, on se forme d'une manière ou d'une autre. Soit on se forme en mode autodidacte, soit on se forme avec un formateur. Le souci de se former avec un formateur, c'est qu'il faut aussi tomber sur la bonne personne, qu'elle soit transparente, qu'elle soit honnête et qu'elle soit vraie en fait. Donc ça, c'est une chose. Ça coûte de l'argent, certes, mais ça peut réduire du coup le temps de ton apprentissage. Donc quelque part, l'equity curve de ton enfin, la vitesse, on va dire, de ton apprentissage. De l'autre côté, si tu te penches du côté autodidacte, ça va quand même te coûter de l'argent au final, parce que quand tu vas te lancer sur Contrel, ce sera peut-être pas bon dès le départ, etc. Et ça va te prendre énormément de temps aussi. Donc, c'est une question aussi de peser le pour et le contre. Moi, de base, je suis autodidacte parce que par exemple, j'ai appris la batterie tout seul, etc. Je fais de la musique et j'ai une nature aussi autodidacte, donc c'est plus simple aussi pour moi. Et puis, du coup, j'avais pas forcément confiance justement dans ce que je trouvais en termes de formation sur Internet. Donc après, voilà, c'est comme ça. À l'heure actuelle, je propose aussi ma formation. Bah, c'est parce que je sais la valeur des choses que je fais. Et du coup, voilà, après, les gens font confiance, font pas confiance, ça dépend de chacun. Du coup, moi, par exemple, je vais pas être comment dire, à suggérer ma formation toutes les 2 minutes, etc. Moi, c'est vraiment si vous êtes intéressé, si ça, etc. Parce que je suis pas dans l'approche vraiment vendre, vendre, vendre la formation. Badage qui nous dit merci Jérémy pour ton honnêteté. Je t'en prie Badage, avec plaisir et bravo pour tes performances. Merci beaucoup Badage. Fred qui nous dit bonjour, bonnes idées et initiatives, ce direct d'infos pour les novices. Merci, merci beaucoup Fred. On est live tous les matins, 8h30 à 10h. Hop, je vais peut-être avoir ici quelque chose d'intéressant justement, parce que ça retrace un petit peu plus sur le DAX. Ce sera un stop plus grand, hein. On serait plutôt dans du 28 points. Attention, ça range sur le M1 comme je vous le disais. C'est pas intéressant pour moi de trader range du M1 pour l'instant. Elias qui disait le gold qui baisse en cette période est très particulier. Alors le gold il a dû atteindre peut-être ici. Ah pas encore, il s'est limité à sa zone support S2 et il a rebondi pour l'instant. Si on revient sur les 13 086,65, tu déclenchais à l'achat pour un TP 13 101,73. Un TP où j'irai prendre l'entière partie de ma position, je pense. Jess qui nous disait, ok, je vais regarder ça de près, génial, merci beaucoup, pouce bleu. Je t'en prie, Jess, avec plaisir. Si je regarderai ça ce week-end, pardon, et je reviendrai vers toi. Parfait, Jess, pas de souci. Et il y a ce qui me dit le gold, ouais, le gold qui baisse un peu, mais limité pour la zone support S2 pour l'instant. Michael qui faisait du coup l'auto-formation par la pratique est toujours la meilleure alternative, quel que soit son domaine. Même en entreprise, les recruteurs sont blasés de voir des tas de bac plus 5. Très doués pour du coup réciter leurs cours, mais incapables d'appliquer concrètement ce qu'ils savent, c'est sûr. Après, si tu tombes sur une formation qui est très concrète et dont tu as la pratique rapidement et pas que de la théorie, ça change aussi les choses. Pour ça, il y a les deux alternatives. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Fonction déjà de la situation de chacun. Si vous n'êtes pas dans la capacité d'acheter une formation, bon, il y a tous les prix hein, sur internet, mais bon, voilà, selon ce que vous souhaitez faire, bah déjà vous avez déjà un élément de réponse, c'est que c'est même pas possible, donc vous êtes orienté sur la partie un peu plus autodidacte.
Si après c'est possible et vous souhaitez gagner du temps, il faut trouver la bonne personne aussi qui corresponde à vos attentes et qu'elle soit le plus sérieux possible, hein, idéalement qu'elle soit déjà sur compte réel, etc. Ça c'est encore autre chose après. Allez, je vais voir ici, ça va peut-être se déclencher sur les 13 086,65. Je vous répercute le trade ici. Si ça se déclenche. Ça hésite beaucoup, beaucoup. Je reviens sur le chat dès qu'on a cette clôture. Que ce soit là ou soit là-bas, ce qui est bien, c'est que sur les bougies LTR, c'est on sait à l'avance les prix de clôture qu'on va avoir. Pour la bougie actuelle, haussière ou baissière, on connaît les prix. Donc là, par exemple, c'est soit 13 069,90 pour une bougie baissière, soit 13 086,65 pour une bougie haussière. Ça ne peut être que l'un des deux. Et c'est, je trouve, un énorme avantage sur ce genre de graphique. Parce que du coup, on l'a pas sur graphique temps, on ne sait jamais où ça va clôturer, ni pour la hausse ni pour la baisse, bien sûr. En plus, on a le point haut, le point bas. Graphique tick, c'est pareil. Graphique range, c'est pareil. C'est vraiment graphique Renko. Et notamment, nous, on a fait les LTR, parce que on a voulu résoudre des soucis que j'avais trouvés sur bon nombre de d'autres graphiques Renko. Hop, et pouvoir se baser sur quelque chose de solide. Là, ce qui se passe, c'est beaucoup d'hésitation. On a effleuré les 13 086,65. Je suis toujours pas déclenché. Antonio qui disait du coup s'il n'aurait pas de perdant, comment je gagnerais mon pognon? Excellent Antonio. Bon, je pense après il est important de dire aussi que ça t'arrive de perdre pour que tout le monde ait conscience de la réalité du trading. Hein. C'est obligé qu'on ait des gains, des pertes, etc. Après c'est la proportion de gains, la proportion de pertes en termes de taux de réussite, de ratio qui fait la différence et le fait aussi que le trader puisse tenir son trading du coup dans le temps. Mort de rire, pardon, joli trait, nous disait Yas. Panda qui disait Antonio, du coup, c'est pas toi qui le gagne ton pognon, c'est grâce à ta chienne. C'est elle qui trade à vous en rigolant. Excellent. Bobcat qui disait Antonio, exact, s'il n'y avait pas de perdant, il n'y aurait pas de gagnant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. David qui disait bonjour à tous, avec des likes, bienvenue à toi David. Et Yas qui nous disait regardez le gaz s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit le gaz. Alors on va voir après si je peux. Hop. Il est là. Je vais essayer quand même de répercuter l'ordre si jamais il arrive. Je le mets pas en attente parce qu'il faudrait que je le décale à cause du spread. Ça, c'est le genre de choses que l'assistant gère très bien, mais en manuel, c'est un petit peu galère. Donc, on va regarder le gaz comme ça. Donc, le gaz naturel ici, qui est. Alors, d'un point de vue weekly, je pense qu'on reste dans une belle tendance haussière. Ouais. On essaye de continuer de les sommets de plus en plus haut, etc. Ici, on revient sur une zone quand même un peu obstacle. Là, c'était des zones support qui passent résistance. On va parler des 9. Alors, des 9, des 9,10. 9, 9, 10. Dans cette zone-là, on a quand même une structure en fait qui était support dans le passé, qui joue un peu résistance à l'heure actuelle. Donc attention à ça. Et du coup, on est tu vois, sur les travaux en fait entre les 9, 10 et justement les 9. Donc niveau très très important, crucial à l'heure actuelle. Pour ce qui se passe. Après, je ne sais pas si tu voulais qu'on regarde le gaz sur des horizons de temps plus grands que ça. On a regardé le daily, on a vu le graphique horaire ici. Robert qui nous disait bonjour, il retrace là le DAX. Ouais, il retrace. On va voir si ça reste valide. Et toujours en attente entre les, pour moi, hein, entre les 13 069,90 et 13 086,65. Du coup, mais en attente pour un achat possible. On va voir ça. Si ça retrace de trop au bout d'un moment, par contre, ça va invalider mon scénario. Emmanuel qui disait Jérémy, les traders pro, pardon, sont ceux qui, uniquement, pardon, ceux qui tradent dans des institutions. Ça dépend la définition de trader pro que chacun a, en fait, tu vois. Tu as des traders particuliers qui vivent du trading. Pour moi, c'est des traders pro parce qu'ils sont professionnels dans leur activité. Ils vivent du trading ou ils vivent du trading plus d'une autre activité. Il faut savoir que le trading reste une activité à revenus variables, c'est un peu comme quand on est entrepreneur, quand on tient une entreprise, on essaie de toujours diversifier ses sources de revenus pour asseoir et sécuriser en fait ses revenus, plutôt que uniquement se baser sur une source de revenus qui est variable. Quand vous faites un emprunt auprès de la banque ou quoi que ce soit pour acheter votre maison, etc., plus vous avez de solidité financière, une situation, on va dire, financière solide, mieux c'est. Donc à partir de là, c'est ce que je fais moi dans mon trading, par exemple, et ce que je fais depuis le départ, parce que j'ai ma propre entreprise depuis le départ, je diversifie mes sources de revenus pour sécuriser des sources de revenus qui soient récurrentes en fait. Et le trading en fait partie, avec du coup l'idée bien sûr de tirer au fur et à mesure des compléments et même des revenus
de plus en plus important en faisant bien sûr travailler dans le temps la stratégie avec les intérêts composés, par exemple. Donc tu vois, Emmanuel, ça dépend de la définition que chacun donne. Mohamed qui faisait du coup le meilleur coach, Jérémy et ses lives. Merci beaucoup Mohamed, ça fait ultra plaisir. Même s'il ne partage pas, pas mon approche. Ah, on n'a pas la même approche, je veux dire. Ces lives m'aident à rester focus sur mes tracés et j'arrive à faire mes 2% par session. Merci Jérémy et respect. Bravo Mohamed pour tes performances et un grand merci pour ton retour. Ça fait ultra plaisir. Hop, déclencher, on va voir si c'est pas un petit peu tard. Hein. Un petit peu en retard ici sur le graphique temps, mais déclenché ici. Donc TP en attente pour moi sur les 13 101,73. Donc ce sera sur les 13 101,73. Hop, à peu près ici. Voilà. Hop, ici. Donc on va voir ce que ça donne ici, ce petit rebond. Thierry qui nous dit merci Jérémy, je t'en prie Thierry. Antonio qui nous dit youpi. Jérôme qui nous dit rien à faire pour l'instant, calme, calme. Ouais, là je viens d'être déclenché, on va voir ce que ça donne. Allez, encore deux bougies pour le TP1. Encore une bougie pour le TP1. Plus qu'une bougie pour déclencher le TP. Sur les 173. Manu qui dit bonjour. Michael, du coup, oui, mais bac plus 5 ont de l'intelligence achetée. On va pas dire du coup qu'on est bête, ils n'ont pas l'intelligence de création. Le manque de pratique, surtout, hein, que je pense qu'il voulait dire, oui, Michael. Thierry qui nous aide, des pouces, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les pouces, ça fait extrêmement plaisir. À quelques millimètres de déclencher le TP ici. Allez, faut que ça pousse un tout petit peu plus. Ça ferait du 12 points de sortie ici sur ce que je vous ai répercuté sur graphique temps. Yurinis qui nous dit, je ne comprends pas pourquoi le gold chute quand le dollar chute. Je pense que c'était une valeur refuge en cas de problème, les monnaies principales. Alors, tu as des comportements qui varient dans le temps aussi. C'est pas toujours à l'identique. Là, le GBP/USD, par exemple, alors, bon, là, c'est un graphique 5 minutes. Hein, ça se maintient un peu sur la zone support S2. Allez, j'ai besoin que ça pousse encore une dernière fois sur le DAX pour finir. Du coup, ici, quand on regarde de manière plus générale, on est sur de la baisse clairement sur le gold. Quand on regarde aussi l'euro-USD, ça y est, déclenché TP, parfait, sorti ici aussi. Du coup, trade gagnant ce matin pour démarrer la journée avec du 13,5 points sur le DAX et sur le compte réel aussi de mon côté. Donc, je vais aller comptabiliser ça. Donc la patience qui paye pour moi ce matin au final aussi. Hop, voilà. Donc on va voir maintenant la suite. Et toujours stand-by, toujours orienté plutôt vers de la hausse. Il est du coup 9h49, n'hésitez pas, le temps passe vite hein, quand on s'amuse, j'ai envie de dire, ou quand on échange beaucoup. Likez et partagez un maximum, hein, ça nous permet d'être live tous les jours de 8h30 à 10h, de faire ces webinaires une semaine sur deux également. Le swing trading à la fin du mois aussi réservé pour les clients sur Contre et Admirals également. Donc n'hésitez pas, c'est important bien sûr pour qu'on continue et qu'on soit aussi la semaine prochaine par exemple lors du FOMC live aussi. Merci en tout cas pour les 101 likes atteints déjà sur 145 participants. Je pense qu'on peut aller sur les 125 sans souci ce matin. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Je vais revenir sur le chat maintenant que la position s'est débouclée. On parlait par exemple de l'euro-dollar et du gold, hein, si on reste sur des graphiques horaires. On a un euro-dollar ici qui est dans une tendance baissière mais qui a tendance à rebondir, tandis qu'on est clairement dans une tendance baissière sur un gold qui ne tente pas de rebondir vraiment encore sur le graphique horaire en tout cas. Donc après ce phénomène de corrélation, je t'invite à le regarder directement via la corrélation matrice sur l'édition suprême chez Admiral. Si tu l'as pas, dis-moi, je vais te donner le lien pour la télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Michael qui me disait, Manu, pas compris ton message. Didier qui nous disait, oui, le trading, c'est des heures et des heures derrière les écrans à observer les marchés, ne pas se diviser et courir sur plusieurs indices ou autres, se concentrer sur un seul au départ et le suivre. Oui, ça peut être un moyen de démarrer. Ça peut être un moyen de démarrer.
Rudy qui nous disait, quel est le drawdown de ta méthode, Jérémy? Si tu peux le partager, bien sûr. Alors, quand je parle de drawdown, je vais parler de trades perdants consécutifs, c'est-à-dire que c'est que des trades perdants d'affilée. Et je vais parler personnellement, j'ai une étude qui est faite par actif, par graphique. Donc en fait, le pire du pire, en général, je vais être à 4 par exemple, trades perdants d'affilée possible, mais le pire du pire, c'est 6 ou 7. Après, c'est sans cumuler les graphiques, parce que ça, je n'ai pas cumulé, parce que je fais une gestion différente. Donc par exemple, hier, hier, bah, j'ai fait 3% de perte. Donc quand tu vois que je risque en fait 1% par trade, bah, j'ai perdu 3 trades en fait. Tu vois. C'est comme si j'avais perdu en fait 3 trades. Voilà, pour te répondre un peu Rudy ici. Robert qui nous disait, même si le DAX commence à retracer, on ne peut pas acheter par palier et ramasser quand ça remonte. C'est une approche assez agressive du coup de faire ça justement. Il faut bien penser la gestion de ton risque si tu souhaites le faire et l'emplacement de tes stops aussi. Donc moi par exemple là ce matin c'était un trading de retracement. C'est pas pris sur graphique temps, c'est pris sur système, donc je ne peux pas vous le montrer en plus, je suis sur mon compte perso. Mais du coup c'est le principe d'acheter un marché bas, mais l'acheter avec une opportunité et un signal qui a aussi son propre taux de réussite. Tu vois ce que je veux dire? Fred qui nous disait demain, je vais regarder votre direct 8h30 et échanger avec vous sur pas mal de choses techniques et principes. Pas de souci, Fred. Avec plaisir demain 8h30 du coup. Manu qui nous disait la chute annonce mardi. Pardon, annoncée, j'imagine, tu veux dire mardi est normal. Mais on n'a pas assez de force pour casser les 6300. Déjà, on va buter sur les 6275. Donc journée de volatilité avec encore des tests 6185. Donc tu nous parles ici du CAC. Hein. Le CAC, pour moi, la prochaine zone, en tout cas, c'est 6250 avec l'ARA, clairement, qui devra être testée pour nous permettre, en fin de compte, de réagir borne basse, borne haute ou quoi. Mais du coup, dernièrement, ouais, si c'était de borne basse, donc idéalement pour un retour ici, si on arrive à s'affranchir de cette zone, tu vois, 6187, 6250. Ouais. Hop, voilà, on va repartir là-dessus. Hop. Donc la poursuite du mouvement qui se fait à la hausse ici. On va peut-être pouvoir repartir sur la tendance haussière M1 aussi, mais on a bientôt les 13 115 en ligne de mire en tout cas. F qui nous dit quelle est 5 meilleures plateformes pour trader. Alors ici, on va pas pouvoir te parler que d'une plateforme, hein, MetaTrader 4, enfin que de deux plateformes techniquement parlant, MetaTrader 4, MetaTrader 5, puisque c'est les seules plateformes que du coup exploite ici Admiraz. Donc on pourra pas aller sur d'autres domaines là-dessus, désolé. Lansley qui nous disait, regarde USDJPY s'il te plaît. USDJPY ici va être vraiment fonction de la partie médiane de sa zone de range établie entre les 144,75 et les 140, up, 141,90, puisque c'est la partie médiane entre les 143,25 et 143,50 qui pourrait idéalement être retestée en rebond. Ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas été jusqu'à la borne basse, donc attention ici, il peut se passer ce genre de choses aussi. Mais si tu veux, vraiment, les yeux vont être portés et l'attention pour moi sera portée dans cette zone-là en ce qui concerne l'USDJPY. Achat qui nous dit bonjour, bienvenue à toi Achat. F qui nous dit du coup c'est quoi USDJPY? C'est une paire forex, c'est le dollar américain face au yen japonais. Achat qui nous dit bonjour, bienvenue à toi du coup Achat, j'espère que tu vas bien. Je vais rattraper le retard, excusez-moi sur le chat, mais j'étais en train de gérer du coup la position ici que je vous ai répercuté sur le DAX M5. Un trade gagnant dans cette séance uniquement pour moi pour l'instant. Tac tac tac. Retracement sur le dollar en 5 minutes, nous dit Philippe. Alors sur du coup quel actif exactement? Manu qui dit Michael, le savoir ne veut pas dire que tu es intelligent. Quentin qui disait, s'il te plaît, pourquoi tu as choisi EURUSD et GBPUSD pour traiter? Alors, c'est des paires forex, si tu veux, qui offrent des conditions de trading très intéressantes. Je trouve que le GBPUSD est une des paires forex sur le long terme pour du day trading dans ces sens ensemble. La plus intéressante en fait, donc je vous montre beaucoup le GBPUSD, mais je suis spécialisé de toute façon et je trouve que le trading est notamment plus intéressant sur les indices boursiers. C'est pour ça que je trade à côté uniquement le DAX dans ces séances-là. Mais si tu veux, c'est des paires qui sont très intéressantes dans ces horaires aussi à trader. Michael qui est un trader professionnel et quelqu'un qui fait du trading son métier. Point barre. Après, s'il y a des indépendants, pardon, s'il y a des indépendants d'un côté, des institutionnels de l'autre, etc. Oui, on peut voir ça comme ça. Le risque qui nous est salut, salut, bienvenue à toi. Le sur Inis qui nous est, quel est votre lot quand vous tradez? Quel est votre stop loss pips en moyenne? Merci. Alors, je ne peux pas te donner de réponse directe parce que c'est variable. Je suis sur des graphiques qui sont vivants et qui absorbent la volatilité des graphiques parce que j'ai développé du coup une petite formule mathématique pour absorber l'équivalence des graphiques. Donc là, si tu veux, le trade que j'ai pris, c'était équivalence M5. À l'heure actuelle, ça me donne des bougies
de taille de 6,7 points et ça joue sur mon stop et ça joue sur mon TP. Le nombre de lots est uniquement fonction, et ça je le laisse, l'assistant VIP est nettement plus compétent que moi pour calculer en un millième de seconde le nombre de lots nécessaires pour rejoindre le risque que je souhaite prendre. Par exemple, ce matin, j'ai risqué 50 euros là sur le trade qui représente 1% de mon capital. Et du coup, sur une distance en points variables, parce que cette semaine, c'est des tailles de 6,7, et que du coup, ça suggère une certaine distance en nombre de points que l'assistant va aller faire correspondre en fait le nombre de lots correspondant pour obtenir 50 euros de risque. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je trouve que les choses sont les plus intéressantes à faire en trading notamment. Voilà pour te répondre, Urinis. C'était peut-être pas la réponse que t'attendais, mais voilà ma réponse par rapport à mon trading que je fais personnellement aussi. Jocelyn qui nous disait aussi: bonjour, il y a une différence entre futur et forex. Alors généralement sur le futur, sur les contrats futurs, tu peux avoir du coup les devises, mais tu les auras par exemple sous le contrat futur livre sterling. Donc ce sera la valeur de la livre sterling face à l'ensemble des autres devises. Ce sera pas le GBP face au dollar américain uniquement. Tu vois ce que je veux dire, Jocelyn? Dis-moi si c'est clair. Yann qui faisait: la qualité première de Jérémy, c'est de restaurer l'espoir et la confiance pour ceux comme moi qui se sont fait, pardon, balader par des gourous autoproclamés formateurs. Merci beaucoup pour ton retour, Yann. Ça fait vraiment plaisir. Tu t'en doutes comme commentaire pour moi. Vraiment merci. Robert qui nous dit: pourquoi vous déclenchez 13 080 alors qu'il est descendu 13 070? J'ai déclenché sur les 13 000, pour être précis, sur les 13 087, parce que avec ma méthode, j'y ai trouvé l'opportunité, si tu veux, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est un setup qui est backtesté, qui me donne sur le M5, je crois qu'en général c'est entre 76 et 78% de taux de réussite si je prends ce setup-là de manière récurrente. Et ce matin, du coup, ça faisait partie des trades gagnants. Bon, Cicoteur qui nous dit: du coup, c'est loin d'être un RR de 1 pour 1 ou de 1 pour 2. Exact, exact. Dans ma méthode, si tu veux, pour Cicoteur, j'ai un TP1 plus court que 1 pour 1. C'est en fait un ratio à 0,5, tout simplement, je m'en cache pas, mais qui atteint tellement de fois que ça me permet de sécuriser ma position. Et du coup, là, par exemple, le setup ce matin me donnait une probabilité pour aller chercher uniquement le TP1, donc j'ai pris que le TP1. Et du coup, quand ma méthode me donne plus de probabilités pour aller chercher un stop suiveur, je fais le TP1 partiel et j'enchaîne avec le stop suiveur. Et je rajouterai aussi très potentiellement le TP2 par la suite. J'ai pas eu le temps de tout faire cet été, tu t'en doutes, sur 150 000 trades. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à checker, à vérifier et à comptabiliser en fait. Didier qui nous disait: depuis lundi, 25-27 trades gagnants, MT5, 1 780 euros de gains. Et la stratégie que je développe depuis 2 ans, je suis toujours en démo après avoir perdu plusieurs milliers d'euros en touchant à tous les marchés. Ça marche. Bah, félicitations, très très beau score du coup pour toi, Didier, depuis lundi. Ça fait plaisir, vraiment. Antonio qui nous disait: le DAX achat, 17 points. Bravo, Antonio. Didier qui nous dit: plus 25 points sur le DAX, j'arrête pour aujourd'hui. Bravo, bravo pour tous ceux qui ont du coup su tirer leur épingle du jeu ce matin sur le DAX. Moi, j'ai été patient, j'ai eu mon petit trade ici. Pour l'instant, ça me fait 0,5% de capital en plus du coup sur le compte. Par exemple, hein, pour te dire, du coup, c'était tac 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 boursicoteur. Si tu as vu la dernière vidéo de la semaine dernière, je montrais des trades justement où j'avais du stop suiveur et j'avais des ratios à 3,4 et des ratios à 2,6, je crois, sur des trades Nasdaq M1 par exemple. Donc, je ne vais pas toujours faire ça parce que les stats ont prouvé que, et de toute façon, c'est une vérité générale, le marché ne court pas toujours. Donc, il n'est pas intéressant de faire un stop suiveur pour moi tout le temps. Et ma méthode me dit quand le faire. Et donc à partir de là, la semaine dernière, 2 fois sur le Nasdaq, j'ai pu le faire. Ça m'a donné des très très beaux ratios. Je sais que ça a atteint 60% du temps. Et je suis ma méthode. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Pourquoi ce matin, par exemple, j'ai pris un ratio de 0,5 directement? Arnaud qui nous dit: bonjour, votre SL est plus grand que votre DP, du coup on risque plus que ce qu'on gagne. Exact. Mais ce qui marche en trading, et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne perso il y a très longtemps, vous pouvez avoir différentes formules. Soit vous avez un taux de réussite très élevé, et du coup vous pouvez avoir un ratio inférieur à 1 pour 1. C'est l'exemple de mon trade de ce matin. Et c'est gagnant sur le long terme, c'est l'approche même d'un scalper. Moi, si vous voulez, dans mon approche, j'ai voulu prendre un peu le meilleur de chaque monde, c'est-à-dire le meilleur du scalping, le meilleur du day trader. Donc à partir de là, si on simplifie un peu les choses, on peut dire, voilà, le scalper en général, il n'utilise pas forcément hein, de base des stop suiveurs, il va plutôt faire que du TP court et souvent atteint. Donc taux de réussite élevé, ratio petit, mais gagnant grâce au taux de réussite élevé. Donc moi j'ai voulu un peu aussi cette approche-là, bah, parce que ça me permet de me rassurer, ça me permet de me dire, voilà, dès que je prends un trade, la plupart du temps, j'ai un gain. On est des êtres humains, on a besoin de ce genre de choses, hein, clairement. Donc j'ai voulu que ma méthode
prennent en compte ça. Ensuite, j'ai voulu aussi rentabiliser plus mon risque. Et à partir de là, je pense à un TP2. Et à l'heure actuelle, j'utilise déjà un stop sueur, comme je vous le disais hein, la semaine dernière. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Hein, j'ai les exemples et c'était pris sur graphique et compte réel, etc. Je veux bénéficier aussi de la possibilité que le marché court. Et pour ça, dans l'assistant VIP que j'ai développé, eh bien, j'ai intégré ma méthode systématique pour faire le stop sueur. Donc à partir de ça, quand les probabilités sont plus élevées pour un stop suiveur, je prends l'opportunité, je laisse le TP impartiel et je laisse courir le stop suiveur. Chose que j'ai fait donc la semaine dernière sur le Nasdaq M1 deux fois et ça m'a donné des gros ratios. Donc vous voyez ici, c'est pas tout ou rien. Pour moi, c'est un mélange et c'est une méthode stratégique de dire là, je peux laisser courir un stop suiveur, là, il faut mieux que je prenne tout d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je ne peux pas rentrer bien sûr plus dans les détails parce que ça fait partie de ma formation et c'est beaucoup de valeur que j'ai développé dans le temps, donc ça je le réserve forcément pour les LTR VIP et c'est normal. Arnaud qui nous disait bonjour, votre donc voilà, hein, dis-moi Arnaud si c'est plus clair pour toi, le pourquoi du comment. Jérôme qui dit plus 0,23% sur le DAX, c'est pas grand-chose, c'est toujours mieux que moins 1%. Yes. Bah, après, ça dépendra de ton taux de réussite aussi. Hein. Cédric qui dit le DAX a pas fini de pousser, je pense. Il est 10h01, va falloir qu'on se dépêche, du coup, parce que je vais devoir vous quitter ici. Jérôme qui dit du coup, ça bute sur le 13 100. Yes, boursicoteur, celle de dimanche. Ouais, celle de dimanche dernier, boursicoteur. Sur ma chaîne YouTube, je fais un live tous les dimanches. Thierry qui nous dit Bobcat, c'est quoi la solution? Tac, tac, tac. Robert qui dit j'observe que le DAX suit la variation du Nasdaq. Un petit peu de décalage peut aider pour prendre la position. Ça, si tu veux suivre les phénomènes de corrélation, tu peux, mais observe-les bien en fait. Hein. C'est très important. Didier qui nous pousse, pensez au pouce bleu. Merci beaucoup, Didier. Ça fait ultra plaisir, 109 en fin de séance, c'est parfait. Yoannis qui est d'accord, merci beaucoup, c'est clair. Personnellement, je suis embêté car je dois calculer avant, j'ai pas la manière et l'app MT4 pour mettre directement une perte en euros. Tu peux avec l'édition suprême ici du mini terminal, l'édition suprême MT4, MT5, tu as le mini terminal et tu peux le faire. N'hésite pas à regarder sur la chaîne YouTube, tu tapes mini terminal ou demain matin on en reparle en live, tu peux l'avoir sur ton MT4, ton MT5 gratuitement. Je vais juste regarder ce qui se passe puisque je vais quand même trader jusqu'à 10h30. Mais pour l'instant, rien de spécial. Désolé si j'ai pas le temps de lire les messages de tout le monde. Rudy qui est top, Didier. Bonjour Jérémy, est-ce qu'il y a une vidéo pour savoir quand mettre les trades en break-even? Non, il n'y a pas de vidéo là-dessus, je crois, mais on peut. Il y a peut-être tape break-even pour être sûr. Je t'avoue, il y a tellement de vidéos, je ne suis plus très sûr. Voilà, boursicoteur, et ça se modifie tout seul quand tu modifies manuellement, du coup, en fonction de l'opportunité. On est en train de mettre à jour l'assistant pour le faire. Pour l'instant, c'est moi qui fais. L'assistant prend le trade et c'est moi qui lui dis si je veux aller tout prendre ou pas. Mais à terme, ce sera dans l'assistant. C'est en train d'être même testé sur compte démo. Donc, ce sera pour bientôt pour les LTR VIP. Tac, tac, tac. Emmanuel, Bouba, pas de trade, mais 3% de perte pour Bobcat, du coup. Alors j'ai pas lu ce qu'il y avait au-dessus, tac tac tac, ça se modifie, machin. Laurent qui dit bonne journée à tous, merci. Du coup, tu as perdu 3 trades, sur combien de trades pris tu nous es, Emmanuel? Alors si c'était une question pour moi, je t'avoue qu'hier je sais plus combien de trades il y a eu, je t'avoue. J'ai perdu 3%, il n'y a pas eu des tonnes de trades, mais il y a eu du pyramidage quand même. Et contrairement à la semaine dernière, les pyramidages ne sont pas forcément passés. Pour ce matin, ce sont des bénéfices nets de 3,2%. Avec cela, je vous souhaite une bonne journée de trade. Jérémy, tu es le meilleur. Merci beaucoup Antonio pour les likes. Bravo pour ton 3,2% de net en plus de bénéfices. C'est vraiment beau en séance. Bravo à toi. Pendant qu'il est du coup, j'ai même approche. Pardon, j'ai un peu la même approche que toi, Jérém, mais uniquement quand mes SL sont plus éloignés que ceux qui doivent être selon ma méthode. Ok, ça marche. Jean-Luc disait top, Jérémy, merci. Jean-Luc, Sophie disait à demain, ça marche. Didier, plus 7%, bravo Didier. Juste attention à l'agressivité, Didier, gère bien ça et du coup, tu pourras faire de très très belles choses. Je suis juste en train de regarder peut-être un trading de range qui se présente là tout de suite maintenant. Je vais surveiller ça. Je vais surveiller ça. Voilà, on va se quitter hein, pour ce matin. Le petit Jérôme est attendu par par ses parents sur son live VIP. Bobcat, par ses parents. Il n'y a pas mes parents sur le live VIP, il n'y a que vous. Cédric qui nous dit bonne journée, bon trade à tous. Françoise qui nous dit bonne journée à tous et top. Jérémy, merci beaucoup Françoise. Merci du coup à vous tous, je dois vraiment vous quitter ici. Pas le temps, désolé de vous faire le petit récap pour la journée exceptionnellement. Mais du coup voilà, on a vu des choses très intéressantes ce matin, il y a eu des échanges très bons. Attention pour l'instant au 13 115 sur le DAX, vous voyez là, il y a la réaction face au sommet précédent. Le CAC fonction des 6 250, le FTSE 100 fonction des 7 325. Sinon les scénarios n'ont pas changé par rapport à ce qu'on a vu dans la première demi-heure ensemble. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça ensemble.
à regarder tout ça, tout simplement ici. Hop, excusez-moi, je dois filer. Très bonne journée à tous et du coup, je vous retrouve très vite demain matin, 8h30, 10h.